J'ai encore ce niveau d'exigence et j'ai encore cette envie pour continuer. En revanche, c'est pas la saison la plus simple. Pourquoi? Pour deux choses. Déjà, forcément, en termes de récupération, j'ai plus 18 ans. Par contre, il faut savoir, et ça on l'oublie, j'ai été blessé 13 mois. 13 mois au genou, 13 mois où j'ai vécu l'enfer, 13 mois où j'ai subi deux opérations, 13 mois où j'ai dû composer tout seul. C'est derrière toi, ça, aujourd'hui. C'est derrière moi, mais ces 13 mois-là... Il n'y a plus de complications, aujourd'hui. Il n'y a plus de complications, mais si tu veux, ça, c'est l'aspect médical. Je te parle seulement de l'aspect médical. Il y a l'aspect mental, je suis revenu. C'est des choses, tout ça, c'est des choses qui me sont arrivées 32, 33 ans après. Il faut être têtu. Il faut être têtu pour pouvoir revenir comme ça. On se rend pas compte, mais j'ai passé énormément de temps avec les kinés, j'ai passé énormément de temps avec les préparateurs physiques pour revenir et pour pouvoir espérer rejouer. Ça, c'est la partie médicale et mentale. La partie sportive, tous ceux qui ont eu une grosse blessure et ceux qui connaissent le football te diront qu'il faut du temps et que c'est pas en 20 matchs que tu récupères ton niveau. C'est pas en une saison comme celle-ci où tu récupères du gaz et des automatismes. Et encore plus, quand tu es dans une saison où il y a de la difficulté au niveau des résultats et où il y a énormément de changements et où tes coéquipiers sont jamais les mêmes, alignés, où la logique de travail change parce que les entraîneurs changent. Enfin, il y a tout un tas de trucs, ce ne sont pas des excuses. Donc c'est pas la fin de la carrière, premièrement. J'en sais rien, je peux pas te dire. Et est-ce que tu veux rester dans ce milieu si un jour tu t'arrêtes? Parce que ça va arriver quand même. Et dans quel rôle? Aujourd'hui, tu te rends compte, je suis footballeur professionnel, je fais le plus beau métier du monde et sincèrement, je ne me pose pas de questions. Il va y avoir des entretiens individuels. Maintenant, je ne sais pas quand, je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas dans quel ordre. D'accord. Très sincèrement. Mais toi, aujourd'hui, tu as envie de nous répéter que tu as envie de continuer? Aujourd'hui, j'ai envie de rester dans le football.